On est rendu à quoi, épisode 17? 17 comme le bon Josh Anderson. Tu commences avec ça? Laisse tu pas bon Josh Anderson. Mais je commence avec ça parce que je me dis que, tu sais, peut-être qu'on pourrait partir des rumeurs puis essayer de faire voix de son contrat sur lui. Peut-être que... Ouais, ça a marché avec Corey Perry. Ça a marché avec Corey Perry. Mais justement, tu sais, par rapport à Corey... avec le succès fracassant de ma chanson, mon thème chanté la semaine passée, ben, je me suis dit que ça pourrait donner une tradition. Désolé en passant pour les micros, on n'aura pas la meilleure qualité de son. L'update du iPhone fait en sorte que les micros ne sont pas lus, fait que ça va être ça. Fait que tout le monde connaît la chanson Stacy's Mom, et là, bon, il y avait la mère de quelqu'un qui était dans les nouvelles, donc on y va. Connor, can I come over after the game? We can hang around, talk hockey, all the fame. All the fame. Is your mom part of the mother's trip? Mother's trip. Is she there? Can I give her my tip? Give her my tip. You know I'm not the player that I used to be. My skates are almost hung up. Better, can you see? Connor's mom has got it going on. She's all I want, and I've waited for so long. Connor, can't you see? That's what I was signed to be. I know it might be wrong, but I'm in love with Connor's mom. Ça fait vraiment un chien. Hey, méchant malade. J'espère que ça va bien sortir. Excellent. Excellent. Ben, c'est ça. Merci. Fait que c'est ça, c'était une petite interprétation pour la situation Perry qui a été tournée un peu au cirque là, sur les réseaux sociaux carrément. Ouais. Quand même good job aux médias qui se respectent à Chicago de ne pas avoir adressé ces rumeurs-là. Ouais. Je pense que n'importe qui avec un minimum de quotient intellectuel savait que il y avait there's no fucking way in hell. Je pense que Perry il est marié, il aurait pas fait ça. Je pense que puis tu sais mettons on peut mettre un bémol là-dessus, mais on sait que la mère à Bédard est mariée avec le père à Bédard, ils ont tout sacrifié pour que leur kid se rende là 2 mois dans la saison à suce le teammate. Ça serait ordinaire. C'est comme... Mais il y en a des affaires ordinaires dans la vie qui arrivent. Oui, c'est ça. Tu sais, Delonte West, il a fourré la mère à LeBron James. Ça, c'est arrivé. Fait que... Puis il a rendu homeless, Delonte West. Ouais. Alex Fomenton a joué au hockey professionnel. Oui, effectivement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Oui. Alex Fomenton, si on passe un épisode sans le mentionner, ce serait vraiment malheureux. Ça serait trop. Fait que c'est ça. Fait que Corey Perry, qui a. Écoute, on va commencer à avoir des bribes. Là, son contrat est-il officiellement résilié? Parce qu'il devait passer Balotelli, il est officiellement résilié. Mais dans le fond, juste, je vais dire, là, parce que moi, je sais exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai des bonnes sources à Chicago, là, à l'intérieur. OK. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je ne veux pas être poursuivi, évidemment. Mm-hmm. Mais je peux confirmer que ça n'a rien à voir avec Bédard ou avec sa mère. Ah, OK. OK. Ça, 100%, je peux te le confirmer. La seule chose que je peux dire en ongle, dans ce podcast-là, c'est que je comprends pourquoi les Blackhawks ont dû prendre cette décision-là.
que n'importe quelle autre équipe de la NHL aurait fait la même affaire. Ouais. OK? La raison pourquoi que je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je pourrais le faire poursuivre pour diffamation. Ah, OK. Tu comprends? Ouais. Mais plusieurs journalistes et médias savent aussi exactement qu'est-ce qui s'est passé. Chris, c'est pertinent. C'est pertinent. Hein? Merci d'apporter ce point-là. J'imagine que tu étais plugué avec une très bonne source. Oui, exactement, une bonne source. Parce que moi, dans le fond, j'ai déjà joué dans la Ligue nationale. OK. J'avais à peu près un ratio de 1 à 2 buts par saison, hey, total. Laisse-moi enlever le masque. Chris, c'est Georges Larac! Comment tu peux dire des affaires de même et te prendre au sérieux, tabarnak? Tu dis rien, tu dis que tu sais tout, mais que tu peux pas le dire parce que... Tabarnak! C'est beau, là, mec, ça fait combien de temps que t'as joué dans la ligue, là? T'es pas plugué dans nulle part, là. Puis non seulement ça, c'est qu'à toutes les fois qu'il arrive avec une information, on sait que ça vient de David Etegui, qui donne à Georges Larac. Puis David Etegui a raison une fois sur 14, aussi. Puis quand il prédit que le Canadien va faire la finale de la Coupe, tout le monde est comme, Chris, il a fumé, là. Puis Chris, son call, il marche. Mais toutes les autres rumeurs, Chris Patrick Laine à Montréal après 8 fois... Et les nombreux calls et les nombreuses menaces sur les réseaux sociaux que j'y ai faites subséquemment. Mais là, heureusement, je suis bloqué de partout là, pour David Etegui, fait que j'ai pas moyen de me remettre dans la merde avec lui. Ouais, c'est ça. J'ai lu ça aujourd'hui, puis je trouvais ça tellement imbécile. Puis justement, à revenir sur le fait que Big le gars, il est pas bloqué nulle part. Il a déjà joué dans le show, mais c'est beau, Big. Les gars qui ont joué dans le show. De dire, je le sais, mais je peux pas le dire parce que j'ai peur de rien. Ben, t'as vu ce que Sarah Vallée a dit? Qu'il aurait eu, dans le fond, un incident avec des partenaires, puis il y a quelqu'un qui aurait comme... Il y avait de l'alcool impliqué là-dedans, avec un événement auquel participait... Il y avait des partenaires commerciaux, il y avait des employés, puis il n'y a pas plus de confirmation là-dessus, mais... Est-ce que c'est des avances? Est-ce que c'est des propos? Tu sais, rendu là, ça sert absolument rien à spéculer. On a eu du fun avec les memes cette semaine, avec la mère à Bédard. Ouais. Pauvre gars pareil, par exemple. C'est un dur baptême dans la Ligue nationale. Je veux dire, je pense que le gars, il a quand même juste 18 ans, là, puis là, comme... Ça spécule que ta mère, c'est une charrue à la Ligue. Hey! Le gars qui a été embauché pour être ton papa dans l'équipe, il essaie d'être ton papa en dehors de l'équipe. Comme... Hey! T'sais, genre, t'es au secondaire, là, ta mère est chaude, genre, pis t'as 3-4 de tes chums qui te le disent, pis t'es en tabarnak. Ouais. Là, Big, la planète hockey, tu comme penses que ta mère, c'est une pas bonne. Non, mais tu sais... Ouais, effectivement. Fait que c'est assez wack, là. Ça a dû être bizarre à vivre. Puis j'ai vu justement que la mère Abedon, elle a supprimé son IG, là. Oh! Ouais. Fait que, tu sais, au lieu de faire un statement, au lieu de, comme, s'en mêler pis tout, juste disparaître. C'est un baptême de feu assez rude. Mais je pense que, justement, étant donné la tu sais, comment stupide... cette rumeur-là, elle est partie d'un fucking... C'est quoi, c'est Hockey Insider avec... Non, c'est IB Gambler. C'est lui qui a tapé ça? Ouais. Sérieux, puis en plus, lui, d'habitude, il sort vraiment Il y a déjà eu des bonnes plugs. Si je me trompe pas, c'était lui qui avait sorti Martin Saint-Louis. À Montréal, ouais. À Montréal, en premier, là, avant tous les autres Insiders. Écoute. Fait bizarre. Ouais, assez bizarre. Est-ce qu'il avait juste été chanceux cette fois-là? Ou... En tout cas, bref. Encore là, t'sais, sous le couvert de l'anonymat en ligne, tu dis de la merde. Écoute, ça peut être drôle, là. C'est juste que ce soit repris. C'est parti vraiment là, comme un feu de forêt. Je veux dire, tout le monde parlait de ça. À ma job, ça parlait de ça. Partout, là, dans les commentaires, ça. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a l'aspect « Hey, tu veux en parler? » Tu veux que ça soit vrai juste pour pouvoir en parler quelques minutes? Mais tu sais très bien que c'est pas vrai. Le monde qui propage ça en disant « Hey, c'est ça »,
faites-vous un examen de conscience à croire tout ce que vous voyez sur Internet. Là, j'ai vu hier, c'est par rapport au hockey, là, mais j'ai besoin d'en parler juste pour dire à quel point il y a du monde, je sais pas comment ils font pour vivre avec le fardeau de dire je lis une information et ça devient la vérité, sauf quand c'est contre mes valeurs, évidemment. Ouais, c'est ça. Il y a une photo de Michel Charette, qui est un comédien qui a joué dans District 31, entre autres. Il a joué dans Le Bonheur. Enfer, Le Bonheur, là, une émission qu'il joue en ce moment. Ah, c'est ça, je sais pas, là. Mais bref, il va faire du stand-up, lui. Mm-hmm. Et sur sa photo de stand-up, il y a des talons hauts rouges. Et là, les commentaires, c'est « Ah, pas un autre, pas lui. » Fait que là, je me suis dit « Ah, oh, Chris. » C'est quoi, genre, tu sais, c'est l'agenda trans ou whatever quoi. Et là, je lis, c'est comme hashtag Red Shoes Club, faites vos recherches, que je check. Et là, ça remonte, genre, au pape qui portait des souliers rouges, puis des. Fait que ça, ce serait des souliers faits avec du sang d'enfant mort. Ben, c'est pour signifier que toi, tu fais partie du groupe qui aime ça porter des souliers avec de la peau d'enfant mort, qui aime boire du sang d'enfant, le sacrifice des nocrons et toute la patente. Fait que Michel Charette, qui a joué dans les Boys, qui a joué dans Radio Enfer, qui aime ça boire le sang d'enfant. L'adénochrome. T'es en forme, si Michel Charette là, a perdu 120 livres, de doit être sweet sugar des enfants terrifiés. Fait que c'est ça, tu sais. Faites vos recherches, j'ai des astuces limites. Ouais. Fait que, grosse parenthèse vraiment par rapport, mais fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on n'a pas besoin de passer 20 minutes sur le sujet. Quand on aura peut-être plus d'infos sur Perry, ça va être plus intéressant mais, de spéculer qu'est-ce qu'il a fait. Y a-tu pogné le cul d'une serveuse? Peut-être. Mais, tu sais, moi, tant qu'à moi, faut que ça soit. Okay. À la limite du criminel. Ouais, ouais. Faudrait qu'il y ait de quoi de criminel qui s'en vienne, une accusation portée contre lui, parce que. Puis, je veux dire, pour que la Ligue accepte la résiliation du contrat, il faut qu'il y ait des bases. Puis, un contrat de 4 millions. Oui! Oui! Puis, il n'y a eu aucune contestation des agents non plus, là. D'habitude, la NHLPA, là, ils se crissent le nez là-dedans. C'est pas long. Puis, honnêtement, j'ai vu une sortie d'un avocat aujourd'hui, justement, qui a un peu adressé la situation. Puis c'est un avocat de TSN puis de Forbes aussi. OK. Puis il dit que, mettons, que l'histoire avait été vraie, là, qu'il aurait bang la mère à Bédard. C'est même pas assez pour terminer un contrat. Exact, parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut sur son temps personnel. Ce qui rendait la chose encore moins probable, justement, que ça soit ça. Aussi, gros move de piment, que c'est sorti publiquement que l'équipe a dit que tu restes chez vous, tu es scratché. Je m'éloigne de la game, je vais prendre du temps pour moi. Bro, c'était pas ton choix, là. Ouais, il est un peu tard. Ah, il est trop tard, c'est ça, là. Si t'avais dit, je m'enrôle dans le programme d'aide, je vais avoir thérapie, ou whatever quoi, t'es proactif, tu dis, j'ai fait de quoi, ils m'ont sorti, puis je prends action, t'aurais peut-être pu sauver la face. Hey, Zach Cassian, il a rejoué dans la Ligue nationale après avoir aussi crashé le char en état d'ébriété, là. Le lendemain, il était rendu en rehab. Ouais. Il a fait ce qu'il fallait. Bref, on verra. Je vous pose la question. Corey Perry, si ça sort que c'est effectivement quelque chose de criminel ou d'assez grave, qui cancelle le contrat, qui a joué son dernier match dans la Ligue nationale, est-ce qu'il va sauter son tour le Hall of Fame? Je pense que ouais. Parce qu'on va se le dire, le hockey, c'est... Hein? Surtout 2023, où est-ce qu'on est rendu les années futures. Ben, puis je vais te dire, le hockey est très old school, et très... Si on veut de la droiture, tu sais, t'as des Jean Béliveau, puis c'est ça qui a paved the way du hockey, puis t'as des gentlemen, les Gordie Howe, tu regardes, tu sais, du monde, c'est all around. Le hockey,
justement, c'est des personnalités comme, mettons, Subban, qui était une bonne personne à l'extérieur, mais qui était trop flamboyant. Le hockey avait de la misère avec ça. Fait que là, tu parles d'une méconduite comme ça. Dans 10 ans, il est tombé dans les oubliettes. C'est plate, hein, parce que ce gars-là, il se dirigeait... facilement. Il se dirigeait au Hall of Fame, là, avec son curriculum. Avec son pedigree, ouais. Fait que c'est assez spécial comme situation. Qu'on vive ça aussi, genre, justement, nous, dans 10 ans, on l'aura pas oublié, puis on va se rappeler que, ouais, mais j'ai hâte qu'on a vécu ça, là, mais... J'imagine que, quand même, d'ici les prochaines semaines, on va avoir un peu de détails, là. Ça devrait, ça devrait. Puis, regarde, dans le PDK, il va aller rejoindre Lucic en prison. Puis, ouais. Fait, parlant des Blackhawks... Ouais, ouais, qui ont été, dans le fond, remplacés Perry. Ils ont été chercher du papier sablé à Vancouver avec Beauvillier. Pas nécessairement le même style de joueur. Mais je pense que Beauvillier a du gaz dans le tank. Je pense que ça peut être bénéfique pour lui. C'est sûr que c'est top heavy là, à Vancouver. Je pense pas nécessairement qu'il va avoir une chance de jouer sur le top 6. Fait. Non, puis moi je pense que c'est un gros move des Canucks. Libérer de la masse. Libérer 4 millions comme ça. Ouais, c'est 4 millions. 4,1 je pense. Ou... Fait que, je te dis ça. Ouais, d'un joueur qui jouait sur leur troisième trio, qui quand même a produit depuis qu'il était à Vancouver, depuis la transaction Beauharvat, il a produit du demi-point par game quand même. C'était quoi qu'on a dit 38 en 55? On a dit 20, je pense qu'il y a 27 points en 55 games. Je vous dis tout de suite. Ou 28 points ouais, en 55 games. 28 en 55, ouais. Fait que, ça, il y a 20 points. Il y a 4,150,000, puis à Vancouver, il a produit 28 en 55. C'est ça. Fait que, quand même un bon rythme, là, pour... Je sais que quand il a été échangé, il a eu quand même des belles chances sur le premier trio. Puis il a quand même produit quoi? Je pense qu'il a produit 20 points l'année passée. En 33 games, ce qui est un très très bon pace pour un gars comme lui. Mais c'est un gars que j'ai toujours aimé, c'est juste que j'ai jamais aimé de le voir dans les rumeurs que le Canadien donnerait à style à l'une pour tout le temps. C'est mais c'est un gars le style facteur québécois de marbre. Ben ouais. Mais c'est un des rares québécois qu'on déteste pas, fait qu'on va le prendre. Puis on va sûrement finir au deuxième pointeur du club. Là. Ça, je checkais là. Bédard, c'est le premier pointeur du club à 17 points en 20 games. T'as Kourachev qui est 12 points en 14 games, qui est vraiment très très bien. Après ça, t'as Jason Dickinson, 12 points en 20 games. Qui a fait un hat-trick dans la dernière game, sur le coup. Fait que, tu sais, Beauvillier va sûrement avoir des chances de jouer avec Bédard. Pas dernière, là, 2-3 games. Ok. Ouais. Mais c'est ça, fait que écoute, je suis content pour lui, ça va peut-être l'aider à sa carrière, dernière année de contrat. C'est ça. Bon petit move. Ensuite de ça, un autre quand même move d'ampleur dans le national, Patrick Kane. Yeah, qui va prendre son grand chum de Brinkat. Je pense que c'était pas écrit dans le ciel là. Parce que moi je le voyais Buffalo aussi, mais je pense que Buffalo a tellement un début de saison de merde. Ça change un peu la donne, mais c'est un gars de Buffalo, puis il y a toujours eu les spéculations qu'un jour il va jouer à Buffalo. Mm-hmm. Fait que, il a signé un an? Ben, le reste de la saison, hein, exact. Un très très bon contrat, on parle de quoi, 2,4 2,5. Puis c'est son prorata des games joués, fait qu'il y a une vingtaine de games de jouer. Fait que, tu sais. T'as le quart de tout ça qui est déjà passé à l'avance. Puis Détroit qui avait encore quand même pas mal d'espace sous la main. Ils ont 10 millions avant le move. Fait que peut-être là, avec ça... 2,7 avec... 2,7? Ben avec le restant de la saison, au prorata des matchs. C'est ça, prorated à 75%. Là. Fait que, bref, il va leur rester 8 millions pour aller faire peut-être une acquisition s'il pousse. On le dit, on le répète, si on va continuer de marteler, Boston, on va commencer à faire des games éventuellement. Ben, c'est déjà le cas. Ouais, non, c'est vrai, non, c'est ça, mais t'sais, on est sûr qu'on a passé pour des estimateurs, mais Chris, c'est pas c'est parce que c'est Boston, c'est parce que leur club, il est pas soutenable. Non, c'est juste ça. Ils ont deux estimateurs goalers.
ils ont deux ailiers élites. Puis un défenseur élite, on va se dire. Ouais. Puis qui est injury prone. Fait que. Ouais, à part ça, le club, il est pas fou, là. Je veux dire, c'est pas. C'est pas normal là, quand tu dis t'as Zaka, puis Coyle, puis Poitras, c'est comme tes trois premiers centres. Parce que y en a un de ces trois-là qui devrait être sur ton top 9, mais t'sais, pas les deux autres. Ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que éventuellement. Fait que Détroit qui a réussi à les battre deux fois dans leurs deux affrontements. Fait que. Ils sont surprenants, Détroit, mais je pense pas qu'on les voyait vraiment performer tant que ça. Mais... Pas du tout. Pas du tout. On avait même de la misère un peu avec le Heiser plan. Ouais. À voir où est-ce que ça s'enlignait ça. Surprenant quand même cette année. Mais je continue de voir une équipe un peu mêlée. Là, dans mais ça, c'est le genre de club justement qui a comme quand même un bon mélange qui peut se faufiler. Puis il a signé beaucoup de vétérans. Mais tu sais, moi, ce que j'aime pas, c'est justement de bâtir à travers les free agency. T'sais, c'est comme tu regardes leur line-up, y a comme rien de. À part Raymond, Larkin, Sider. Là, il y a Berggren qui vient d'être recall, mais tu regardes ça, le reste, c'est pas vraiment du homegrown. Fait que. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que. De tout ça pour dire Patrick King qui va arriver là. Il reste à voir aussi quel Patrick Kane on va avoir. Il n'a pas été incroyable avec les Rangers. Non, effectivement. Puis ça, c'était pré-opération à la hanche. Je veux dire, la hanche, c'est assez vital à un joueur de hockey. Ouais. On a vu les stats tantôt. Là. Il y a Nick Backstrom qui est revenu 40 games avant de repartir après l'opération à la hanche. Fait que... Non, c'est ça. À voir. À voir, exact. Dean Nevazon qui a été congédié par Minnesota. Ouais. Grosse surprise pour moi, je sais pas pour toi si. Ben oui, effectivement, là, surprenant. Mauvais début de saison pour le Wild, on va se le dire. Bien en deçà des attentes, mais je pense que ils ont joué au-dessus de leurs moyens depuis deux ans. Ouais. Evazon, il a été nominé au Jack Adams l'année passée. Ouais. Ouais. Parce que Chris, il y avait un club avec 14 millions de déficit salarial à cause des buyouts de Guérin. Puis il a réussi quand même à faire de ce club-là un club compétitif. Guérin, est-ce qu'il va chercher Fleury, qui va déstabiliser ses gardiens qui échangent Talbot qui va bien Talbot puis qui a mis beaucoup d'instabilité. Moi, c'est plus Guérin que je blâme pour les insuccès de Minnesota. Puis oui, c'est jamais le fun un début de saison, je pense 4 victoires et 15 défaites là. Mais je veux dire, la réalité, mon Bill, là, c'est qu'à 4 et 15, il est déjà trop tard. Ouais, ouais. Il est déjà trop tard. Ouais. Fait que tu congédies ton coach après 20 games ou après 82, big, donne-y le temps. Ils sont 6-10-4. 6-10-4, ok. Pourquoi je pensais qu'il était pire que ça. 6-10-4, ouais, il y a peut-être encore. Ouais, peut-être j'ai vu 6-14, mais en 20 games. Ils ont 16 points en 20 games. Ouais, c'est réchappable, ok. Il a agi parce qu'il se dit. Mais tu sais, c'est qui a mis pour remplacer? John Hines. L'ancien coach de John Hines. De Nashville puis de Davos avant ça. C'est ça. C'est la vieille culture. Fucking John Hines. C'est ça. C'est la vieille culture de. Il a gagné son premier match là. Ouais, ouais, bravo. Ben, c'est sûr. Mais il est temps qu'il y ait. Surtout dans le coaching, là, pis ça a commencé avec Brian Dabour pis Saint-Louis, là, ben, qu'est-ce qui est temps qu'on fasse un peu de ménage? Au débarrasse. Au football, on le voit, man, des jeunes entraîneurs qui arrivent, connaissent du succès. Mm-hmm. Au basket, on le voit. Le basket, c'est drôle, l'autre fois, j'ai vu, genre, LeBron à côté du coach de. Je me rappelle plus c'était quelle équipe, ou est-ce que LeBron il est plus vieux que le coach de l'équipe adverse. Mais comme Big, ça fait juste du bien. Là. Ouais. Un peu de renouveau. Puis comme. Tu sais, tout évolue dans la vie. Puis les sports aussi, ça évolue. Les stratégies évoluent. Les façons de jouer évoluent. Fait qu'à un moment donné, ça. Ouais, ça prend des nouvelles pensées, effectivement. C'est pour pas avancer le sport aussi. Là. Ouais. Si tu gardes tes vieux coachs de y a 60 ans, ben tu gardes ta façon de jouer d'il y a 60 ans. Puis souvent, les vieux coachs, ils ont. Tu sais, ils ont.
T'sais, c'est des bons communicateurs, c'est des gars qui réussissent à allumer les gars, être des bons motivateurs, puis des schémas qui ont leur efficacité. Mais c'est jamais bien ben long que des gars stand. Tu regardes Lindy Ruff qui a réussi à vraiment inspirer ses troupes l'année passée. Puis là, ben, si, je dois être écœuré d'en parler Lindy. Là. Mais c'est un peu ça. On l'a vu. Même Alain Vigneault, c'est un gars hyper émotif. Il arrive dans un club, le club gagne la première année, après ça, ils sont plus capables de l'endurer. Tortorella, tu l'as vu. Babcock, on l'a pas vu, mais on l'aurait vu. fait que c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, effectivement, je suis d'accord. Ça prend. Tu sais, il y a un gars comme Saint-Louis, tu sais, qui est vu peut-être un peu plus comme un prof quasiment qu'un coach. Tu sais, ça fait du bien, je pense, dans la culture. Reste de l'entourer, encore une fois, on va le répéter. Le Canadien joue sans conviction là, dans les derniers games, honnêtement. Hey, Los Angeles, c'est triste. Atroce. Mais non, selon Renaud Lavoie, c'était une belle game. Ah, Renaud Lavoie, je veux dire, il a peut-être lu un tweet qui a dit que c'était pas une si pire game, fait qu'il a décidé que c'était son opinion, parce qu'à part ça, je veux dire. Une vraie game de cul. Hey, je l'ai regardé à la game, ok, au complet. J'ai rarement vu le Canadien être aussi mou. Ouais. Tu sais, puis on va se le dire, c'est sûr que les Kings ont un très très bon système. Ouais. Je veux dire, ils ont trois des meilleurs centres two-way de la ligue. Là. Tu sais, des centres défensifs, là, ils en ont. Quand tu fais quatre fois une passe en arrière de ton net quand t'es dans le fond, parce que t'es pas capable de la sortir, il y a un petit problème parce qu'il y a les trois fois que j'ai vu ça. Est-ce qu'ils se l'ont fait enlever, puis ça a passé proche de marquer? Mais c'est sûr, quand t'es les Kings, puis tu sais que l'année prochaine, dans ton camp, tu vas refaire comme un 5 à 7 millions sur le dos des cartes que t'es en train de planter, t'es content. Moi, c'est sûr et certain que si je jouais pour Colin, j'aurais chirp les gars du Canadien, fait comme, hey, vos impôts, ils s'en vont dans mes poches, mes gars. Petite gang de cave. Et puis peut-être une transition douteuse entre les décisions du gouvernement puis un jeune hockeyeur russe qui est mort cette semaine. C'est pas drôle, pourquoi on rit à chaque fois? Ben, on rit. Jaune. Parce que, ben, le lien douteux entre le gouvernement qui oblige le monde à se faire vacciner puis des jeunes de 17 ans. Qui se pètent des crises de cœur sur la glace. Les athlètes, là, semi-pro. Ouais, c'est ça, c'est comme, c'est normal. Fait que il y a ça qu'on rit, puis qu'on a soit un gars en prison ou un mort, ou les deux à toutes les semaines. Écoute, on est désolé pour la famille de. On n'a pas le nom non plus, fait qu'on. Tiens, je peux le retrouver. On est vraiment respectueux de même, nous. Il est mort, on en parle. Que... Il est russe. Rest in peace. Ouais, il est russe. Un autre, hey, Rodion Amirov, on n'avait pas parlé. On n'avait pas parlé, hein. Je pense qu'on avait juste skippé parce qu'on n'était pas capable de le faire. Je pense qu'on n'avait pas parlé. Ben, rest in peace, un peu en retard. Qu'est-ce que c'est ça? Simon! You know I'm not the player that I used to be. My skates are almost hung up better can you see? Connor's mom has got it going on. She's all I want and I've waited for so long.